Salut tout le monde, c'est Shawky, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors comme vous avez peut-être pu le voir au titre, il y a GTA Liberty City Story qui arrive sur les mobiles. À l'instant, il y a Rockstar qui viennent de sortir un trailer. Comme dans tous les trailers des jeux, on peut apercevoir des gameplays. Et dans tous les cas, vous pouvez apercevoir le trailer à l'écran. À la fin, on peut apercevoir que c'est écrit que GTA Liberty City Story arrive bientôt sur Android et Amazon. Alors bien entendu, on pourra acheter le jeu sur l'Apple Store, sur Google Play, c'est pas écrit Android, alors je ne sais pas si Android c'est devenu Google Play, et pour finir sur Amazon. Par contre, pour les personnes qui ont d'autres téléphones, comme par exemple le SFR Store ou je ne sais quoi, là c'est pas sûr que vous allez pouvoir télécharger le jeu. Alors ce que je viens de vous dire, c'est des anciens téléphones où on avait des applications pour télécharger des choses, je crois que ça s'appelait SFR Marché ou un truc de ce genre. Il y a quelques jours, Rockstar avait sorti GTA San Andreas, GTA Vice City Story et GTA 3 sur PS4. Et là, maintenant, ils viennent d'annoncer GTA Liberty City sur mobile. S'ils ont essayé de sortir GTA Liberty City Story sur mobile, c'est peut-être parce que les anciens GTA qu'ils ont sortis sur PS4 ont bien marché. On peut même parier que si ce jeu marche bien au niveau des ventes, qu'ils vont sortir d'autres jeux de Grand Theft Auto sur mobile. Pour ma part, j'ai plus grand chose à ajouter à propos de ça, Rockstar n'a donné aucune date, ils ont juste dit que ça allait arriver très bientôt. Sur ce, nous, on se retrouve tout à l'heure, allez, ciao !